Et bien sûr mes petits loulous, c'est XVSKA et aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une aventure sur Pokémon Let's Go Pikachu. Bon, du coup, est-ce qu'on va dans le tunnel ou est-ce qu'on va pas dans le tunnel? Il y a pas mal de monde ici à fighter en vrai. Ça déjà. Un petit recoups. Je suis quand même curieux de savoir ce qu'il y a ici en fait. Est-ce que c'est juste un jardin ou est-ce qu'il y a vraiment un chemin? Yes, un défense plus. On va checker un peu. Ok, il y avait bien un chemin. Bon, je me suppose agression. Ouais, agression. Tes Pokémon sont prêts. Bah moi aussi. Je vais tous te les détruire, tes petits Pokémon, ma petite Charlotte. Ah, mon doudou. Ma victoire n'en sera que plus douce. Oh ouais. It's time to die. Et bim. Mon doudou out. Nidorina. Non. Allez. Adieu Nidorina. Quoi? Aïe. Aïe. J'ai perdu 6 PV. Mal. Et hop, problème réglé. Oh yeah. Et ça fait un petit level up, ça fait plaisir. Ah, ton lanceur se relaxe, ça lâche encore, mon temps. Non, il est déjà ultra rapide de base, donc. Je n'ai pas forcément besoin de ça. Ah, trop balèze. Ouais, je suis trop balèze. T'as tout à fait raison, Charlotte. Qu'est-ce qu'il y a ici? Un instant. J'ai cru voir. Ouais, je me disais bien. Le plus assuré. Waouh! Mais c'est magnifique, dis donc! Dites ça. Bon. On va quand même passer par le tunnel directement parce que bon. C'est quand même Ondine qui nous a conseillé d'aller là-bas. Tiens, toi là, elle vient de fight. Hein. Je crache pas sur de l'XP gratos. Chon! Oh, merci de m'envoyer Pokémon aquatiques. J'adore les Pokémon aquatiques. Adieu, Ramolos. Et bim! Je n'ai même pas transpiré. Oh yeah. Ah, mon Pokémon n'est pas assez fort. Oh, c'est con. T'affrontes quelqu'un qui a un Pikachu sur le... sur le dos. Oh, ratatak. T'affrontes quelqu'un qui a un Pikachu sur le dos alors que t'as un Pokémon haut, quoi. T'es très intelligent. Très intelligent, j'ai envie de te dire. Ouais. 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 Oh yeah, baby. Yeah, Carabaf monte niveau 20. Alors. On va virer le mic. Ça c'est fait. En tout cas, je me demande si j'aime, s'ils vont pas nous faire les générations suivantes, genre en patch quand ces hommes passent. Ouais.
Ce serait bien, franchement, s'ils faisaient genre, vous savez, genre pour or et argent, des petits DLC. Franchement, ça serait cool. Comme ça, pas besoin de racheter le jeu. Bon, Ratata nique ta mère, là, quand même. J'ai quand même 3 Pokéballs que je t'envoie sur la gueule et tu me fais chier, là. Putain, que 62 points d'XP, quoi. Bon, je peux affronter le vieux ou pas? De la vie, il y a les gagnants et les perdants. Tu appartiens à quelle catégorie, toi? Bah, vu ta tronche, je dirais les gagnants. À mon avis, il y a de fortes chances. Hein. Alors, tu m'en vas quoi, mon petit? Un tout piqueur. Alors, lui, il va se prendre des baffes. Ah mais quoi, niveau 26 son putain de topiqueur, hein. Pourquoi il y a une telle différence de niveau? Ma foi. Ok, t'as gagné. Putain, il m'a fait les blindes de thunes en plus. C'est un PNJ spécial ou bien là? Oups. Attention, je pose des câbles. Oui, on les voit. On les voit tes câbles. Moi, ouais, je les vois très bien tes câbles. Maxence, le mécano. Allez. Avec de la chance, le one shot. Là, c'est le one shot. Ah, merci pour vos thunes. Oh! Un monsieur mime. Oh putain, il est rouge. Je pense qu'on va pas trop prendre de risques avec lui. Allez, laisse-toi faire, laisse-toi faire, laisse-toi faire. Ta mère. Putain, Rex. Mais c'est une blague! C'est mon dernier lancer en plus, quoi. Punaise. Avec sa face sur le dernier lancer. Et pourquoi est-ce qu'on vient dans la grotte Topiqueur, en fait? Oh, Topiqueur. Justement, pour capturer les Topiqueurs. Bon, je suis pas sûr qu'on aura besoin des grosses. Hein. Non, non, pas. Allez, viens là. 2, 3, ta mère. Oh, il y a un excellent là. S'il vous plaît, respectez-moi là. Punaise, mais sérieux, mais qu'est-ce que j'étais ce jeu par moment pour ces trucs là? Tu fais un beau lancer et tout. Les Pokémon ils te disent merde quoi. Et après tu fais un lancer de merde et là bizarrement le Pokémon il dit ah mais vas-y, vas-y, let's go. Seriously quoi. Au final faire un excellent, un super ou un bien ça change rien quoi. Hein? Tu es sûr, y'en a un qui pop sous mes pieds? Oui, viens ici. Allez, allez, allez. Ouais. Yeah. Tu
Qu'est-ce qu'il y a dans cette grotte? La palette au piqueur. Putain, je vais pas. On met dessus. Allez. 1, 2, 3. C'est bizarre parce que j'ai l'impression que quand on l'a attrapé une première fois, ça influence quand même le truc. Allez, on continue. Hein? Sinon, est-ce qu'il y a des trios piqueurs dans le coin? Ah putain, je l'ai pas vu. Tu veux venir, connard. Allez. Ah, j'ai l'impression que la première capture détermine si on pourra en capturer plus facilement après, par moment. Ouais, Mew a level up. De toute façon, ils vont tous finir au professeur Shen. Bon, ça nous amène où cette histoire d'ailleurs? Voilà, transfert au professeur. Tac, 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 tac. La merde, la merde, la merde. Caninos, je garde. Oh non, enfin je garde pas. Enfin, quoi que si, on va garder. Vérifier qu'on n'a pas donné un Pokémon. Imaginons que je veux donner Mew. Non, c'est vrai, il refuse. Bah ça, j'en avais déjà un autre. Attendez, c'est un mâle celui-là, c'est une femelle ça? En plus, niveau 15. Tututum. Putain, le sprint. Ouais, je. Et quand est-ce que je pourrais augmenter la taille du truc là? Parce que j'ai vu que la boîte Pokémon peuvent être augmentées jusqu'à. En fait, elle peut pas être augmentée. Enfin, j'ai vu un mec qui avait plus de 300 Pokémon. Bon, quitte à booster quelqu'un, autant booster Mew, hein. Enfin, quand. Regardez-moi ça. Franchement, quel intérêt d'apprendre à ta Pikachu vu le nombre de trucs que je suis en train de lui faire bouffer à Pikachu. Notre pincelle. Et bonbon mental. Là là. Bon, nous amenez-vous. Où est-ce qu'on est? Ah oui, d'accord. Ah ouais, d'accord, on est vraiment retourné tout en arrière là. C'est pas par là qu'il fallait passer quoi. Ah. Ex-Vesquette! Tu te souviens de moi? Je suis l'un des assistants du professeur Shen. Quelle chance de tomber sur toi! Justement, quelque chose des choses éblouissantes à te montrer, mais pas ici. Il faudrait un endroit plus sombre. Retrouve-moi à l'intérieur. Ok. Bien, monsieur. On va à l'intérieur, alors. Ah, je suis content que tu sois là. Il faut absolument que tu vois ça. Après des années d'efforts, je viens tout juste d'avoir une illumination. J'ai enfin réussi à découvrir la technique secrète lumière. Je vais te montrer, mais d'abord, il faut éteindre la lumière. Ouais, il fait tout noir, c'est parfait. Alors, il suffit de faire le vide dans son esprit, de respirer profondément, de ressentir le monde autour de soi, pour que même l'obscurité la plus profonde fasse place à la lumière.
T'as vu ça un peu? Ça t'embouche un coin? Eh oui, pas besoin d'électricité pour y voir clair, il suffit d'avoir une force mentale à toute épreuve. Mon aura inonde la lumière, la salle de lumière. Tu veux que je t'apprenne comment faire? Pika Pikachu! Oh, ton Pikachu va apprendre ma technique! Quoi, il connaît déjà tes tranchages? Ça alors, je comprends mieux pourquoi le professeur Chen disait que ça n'était pas un Pikachu ordinaire. En tout cas, ça promet d'être intéressant. Voyons voir s'il peut maîtriser ma technique. J'éteins la lumière. Vas-y, petit Pikachu, fais comme moi. Fais vite dans ton esprit. Respire profondément. Ressens le monde autour de toi. Et que l'obscurité fasse place à la lumière. Ton Pikachu est décidément un petit génie. N'hésite surtout pas à faire appel à cette technique secrète. Comme ça, comme ce sont pas les capacités, ton partenaire peut l'utiliser même s'il n'a plus la force de se battre. Sérieux? C'est pour ça. Hey hop, ex-vesquette, c'est bon, l'assistante a enseigné la technique secrète lumière, tu gères? Quoi? C'est pas toi qui l'as appris, c'est Pikachu? C'est fou quand même, tout ce qu'il sait faire. En tout cas, je connais un coin où cette technique pourrait bien te servir. C'est pas loin, tu veux que je t'y emmène? Ouais, vas-y. Cool, suis-moi. C'est un gros topiqueur, je rigole. Alors, une fois sorti d'Azuria, par l'est... Voilà, c'est pareil, si tu continues tout droit, tu vas tomber sur la grotte sombre. Comme son nom l'indique, bah c'est une grotte où on ne voit rien du tout. Donc, ça serait bien pratique d'avoir la test lumière là-bas, histoire de voir où tu mets les pieds. Amuse-toi bien! Bon, je vais couper l'arbre, hein, mais t'inquiète pas, il repoussera. Ah, d'accord. On va sonner les Pokémon. Allez, on y va. Je vais checker un truc. Ondine, je veux te réaffronter, grosse! Ah oh bah, apparemment. Bon, ok. Allez, on continue, ma Lucette. Il faut retourner par la maison où est-ce qu'il y a le mur démoli. D'ailleurs, c'est marrant parce que pour aller là-bas, c'est le seul endroit au monde que tu peux passer, quoi. Genre, ils avaient pas prévu un petit chemin ou autre. Et apparemment, ils ont toujours pas nettoyé non plus. Alors. Salut. Ah bah, va avoir de la baston. Beaucoup, beaucoup de baston. On va l'avoir un peu dans le fion. Mais c'est pas grave, on va tous les griller. Ah, des évolis. J'adore les cramer. Les petits évolis. On va les cramer. À grand coup d'électricité. C'est quoi le next? Ortide. Ortide. Alors je sais plus ce que c'est. Ouais, je me doute que c'est un Pokémon type plante. Putain quoi. C'est une blague ? Vraiment finir par croire que mon Pikachu est tellement boosté que... Nique ta mère. Franchement, nique ta mère. Allez, crame. Connard. Merci.
Deux petites Super Bowl, merci madame. Ouais, comme par hasard. Oh, 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 allez, viens prendre ta pâtée, pour chien. Ah bah ça va, Nix. Qu'est-ce que t'as l'air petit, mon petit Pikachu? Allez, salut. Easy peasy. Combien d'XP? Ouh, pas trop mal. Pas trop mal, j'aime bien. Allez, viens, viens, je t'attends. Attends, j'ai plus de Pokémon. Lol. Lol. T'inquiète pas, t'as du fric. Je te raquette. T'as la Team Rocket. Alors faut aller par où? Pourquoi y a des chemins partout là? Non, c'est une blague. C'est une blague, y a quelque chose au fond, c'est pas possible. Vous m'avez pas fait faire autant de mètres juste pour ça quoi. Ah, en plus il m'envoie un caillou. Il a 3 Pokémon lui! Bon bah allez, hein, tant qu'à faire. Ah, c'est pas assez pour le one shot, fais chier. Hop, toi t'es mort. Merci pour le level up au passage. Putain, vivement qu'ils soient niveau 30. Alors t'en vas quoi? Bah t'as me dire un caillou quoi. Ah, là, là. Si t'as vraiment que des racailloux, c'est un petit peu naze hein. Hop. Emballer, c'est posé. Yeah, Carabaf niveau 21. Putain mec, t'as que des racailloux. Je te blague quoi. Ils ont bien changé les dresseurs hein. Avant il y avait de la diversité culturelle dans les Pokémon, maintenant c'est toujours la même chose. Ah mon dieu, tu vas me faire louper mon attaque. Ouïouïouïouïouïouïouïouï. Ouïouïouïouïouïouïouï. Ouf, ça va, c'est passé. J'aime pas les attaques type one shot hein. Je sais pas ce qu'on pique à Pikachu est tenu honnêtement. Ah, tu m'as bien eu. Ah, 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 ah. Ouais, des baies. J'ai fait tout ça pour des mauvais fucking baies. Ah, déjà, on va là-bas. On va voir ce qu'il y a ici. Piafabec. Chaque fois que je vois Piafabec, j'ai envie de dire Pialfabec. Mon Pokémon insecte va t'écraser. Oh putain, j'aurais dû prendre mon Pokémon, il prend mon Sèche. Ça marche qu'on peut pas choisir dès le début du combat qui on va utiliser quoi. Pah!
ça que tu m'envoies. Ah, vous savez, à une époque, on était respectés, nous, les dresseurs. Hein. Apparemment, non. Apparemment, c'est fini, maintenant. C'est fini, on nous respecte plus. Hein. On nous prend plus au sérieux. Hein. Mon Pokémon! T'attendais à quoi, gros? T'avais aucune chance. Bon, à part ce Pokémon-là, y'a pas autre chose. Ouh, ouais, viens ici toi. Ouais, hop, 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 viens ici toi. Pas sûr que ça passe, mais bon. Ah, t'es sérieux? Allez, allez. Merci. Comme ça, moi, j'ai le Nidorino. Même pas besoin de me faire chier avec son évolution. Viens ici toi. Connard. Mais putain, mais c'est une blague. Mais punaise. Allez, s'il te plaît, please, please. Merci. Un rapace de pique. Voilà. Ça, je peux me faire chier. En plus, il y a de la bonne montée. Il y a de la bonne montée en l'air. C'est cool. Bon, oh, bah, ce qui est sûr, c'est que c'était pas ici hein, qu'il fallait aller. Tout simple. Il va falloir se taper tous les dresseurs sur le chemin, quoi. Trois. Boum, 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 boum. Allez, on va, si tu vas te prendre une petite souplesse. Darby, il faut être souple, les amis. Ah. Waouh. 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 Blague. Oh. Il va se calmer. Connard. Yes. Mieux niveau 25. Non, on peut pas changer pour un ratatouille. Il va griller. Et voilà, qu'est-ce que je disais. ...300 points d'XP quand même, hein. Quelle sombre défaite. Oh, c'est triste. C'est tellement tristounet, hein. Ça tombe bien. Faut que je soigne Pikachu. Ouais, donc c'est quoi, on va spammer nos dernières potions parce que de toute façon, à ce level, c'est quasi plus utile, donc... Attends, je vais cramer
hors combat. Oh, même pas agressé ce coup. Hey gamin, c'est parce que je suis pas assez fort pour toi, c'est ça? Hein? Mais qui voilà, ceux-là que c'est Pokémon? Oh mon dieu! Ça doit avoir 10 ans, ça fait déjà le pervers vicieux. Allez, salut! Ouais. Ah, pas assez pour level up. Il a vraiment de l'espoir cet enfant. Moi je vous le dis, on en brise des espoirs dans le jeu. Mais on en brise tellement des espoirs dans le jeu! Regardez ça! C'est pas comme ça que tu vas aller sur la ligue, hein, mec, hein! Oh, j'ai failli level up quoi. Paf, je suis fini. Ouais, filme-moi tout de suite Pokéball. Retourne chez maman, retourne jouer à la PlayStation. Encore Ratatak. Un petit peu aux œufs du Ratatak. Salut Ryu. Fight un jour ou pas? Ah ah, t'as l'air coriace toi. Je passe trois fois devant lui, il veut pas m'affronter quoi. Et dès que je lui parle, ah ah, t'as l'air coriace. Ah. Est-ce que tu grilles? Est-ce que tu grilles bien? Ouais, tu grilles même très bien. Bah alors Ryu, t'es pas très féroce ton singe, hein? Oh. Il s'appelait Hervé en plus. Hervé. Putain. S'il vous plaît, est-ce que je peux aller à la grotte là? Putain, mais... Vous me respectez pas, hein? Franchement, on a quasi vu aucun Pokémon feu, hein, depuis le début de l'aventure, hein. Et pas Pokémon feu, je veux dire un dresseur qui utilise un Pokémon de type feu, quoi. C'est toujours du poisson, du normal ou de la terre, ou parfois de l'électrique. Et dans ce cas, du vol. C'est comme si en fait les Dresseurs avaient forcément des Pokémon majoritairement faibles face à Pikachu. Un truc de fou quoi. Je ne mérite que ton dédain. Oh, je suis mignon. Pourquoi je sens que je l'ai regretté? Ah putain, ouais, je l'ai regretté. Hein? Ouais. Tiens donc, attends, ah, un membre de la Team Rocket. Et toi là, t'es la morveuse qui arrête pas de nous mettre des bâtons dans les roues en ce moment, je parie. Ah. Tout le monde se moque de nous à cause de toi. On aura bientôt trop honte pour se pointer devant le boss si ça continue.
L'heure de la vengeance a sonné. Un instant. Oh. S'en prendre à une enfant, vous n'avez donc pas honte? Tant de bassesse, c'est révoltant. T'es qui toi? Tu veux quoi? C'était pas jouasse, on peut se battre, hein? On n'a peur de rien, nous, on est des vrais. Je me charge de ces trois énergumènes. Tu veux bien t'occuper de celui qui reste? Ça serait fort et marre de ta table, de ta part. C'est avec joie. J'aime ta compatibilité. Oh, mais t'es sérieux, tu m'envoies un ratatac. Putain, je commence à croire que Nintendo, ils aiment les rats, en vrai. Allez, salut. Trop dur. Si tu veux, je peux m'occuper des autres, hein, pas de problème. Hein. Yeah. Oh, faut pas que le boss apprenne ça, hein. Tu te défends super bien pour une morveuse. Même à 3, on fait pas le poids. Mais c'est Pokémon Glace surpuissant, t'es qui au juste? Je suis Olga, du conseil 4 de la Ligue Pokémon. Je vous conseille des guerres pires si vous ne voulez pas finir en glace pilée. Le conseil 4? Ah, tirons-nous d'ici! Tu débrouilles très bien, ma jeune amie. Je ne m'attendais pas à ce que tu t'en tires avec tant de panache. J'ai cru voir que tu collectionnais les badges d'arène. Vivement le jour où tu franchiras le seuil de la Ligue Pokémon pour venir nous défier. Au plaisir, ma jeune amie. Moi, je vais me faire de la glace pilée. Oh. Ce jingle reste dans la tête, c'est un truc de fou, quoi. Poum poum poum. Bon, du coup, la grotte, hein, je suppose. Alors, je peux décider d'aller. Voilà. Prends ton temps, hein. Maudit, parfois je vais à l'arène Pokémon, mais je perds à chaque fois. Va voir ce que tu veux, hein. Feu. D'accord. Faut pas être dès que tu perds, hein, là. Regarde ton petit évolu, là. Regarde ce que je lui fais, là. Wow. T'as vu ton évolu? Allez, salut. Oh, puis que quoi, parce que peut-être que j'avais changé. Je pense qu'un éclair devrait suffire. Effectivement. Ouais. Bah voilà, une défaite de plus, hein. De toute façon, hein, j'allais dire. Valait pas grand chose, hein. Alors, qu'est-ce qu'ils vont m'envoyer, le coach? Coach, la grotte sombre, c'est pas une problème de santé, tu feras mieux t'entraîner avec moi. Si tu veux, je peux te donner un cours de particulier, j'accepte. Allez, ouais, jeunesse, montre-moi de quoi tu es capable. Tu veux, j'appelle un ami. Ira vite. Marie-Josée. Marie. Wow. Ah, oh, mais tu m'as pas respecté, là. Meuf. Ah, mais tu m'as pas respecté. Il a beau être niveau 25, ton tétarte, je vais en faire du tartare. Regarde. Putain, un tonnerre, c'est tellement puissant, c'est un truc de fou. Non, je crache pas contre l'XP gratuit. Hein.
Colossinge. Aïe. Ça risque de poser problème, Colossinge. Oh, vous savez quoi, la flemme. Hop. Franchement, la flemme, là. Je suis désolé, mais j'ai grave la flemme. Pfff, finalement, j'aurais même pas eu besoin de faire ça, en vrai. Lol. Je pensais pas que ça allait lui faire si mal, en vrai. Tiens, je lui lance une amnésie pour le jeu. De toute façon, il est mort, là. Boum. Vas-y. Bravo, la jeunesse. Ah, désolé, mais bon. J'ai pas envie de me prendre la tête. C'est plutôt moi qui devrais en apprendre de toi, tiens, pour la peine. Ouais, casse-brique, wouhou. En fait, ça sert à quelque chose de les affronter à pas avoir des CT. Y'a pas une Pokéball ici. Ah non, 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 elle était derrière. En fait, ce qu'il nous dit pas, Pikachu, c'est qu'en gros, il fait pas le truc que le mec lui a dit de faire, en fait. J'ai l'impression de voir une Pokéball, là. En gros, ce qu'il fait, c'est qu'il utilise ses joues pour créer de la lumière. En gros, Pikachu, c'est un gros flemmard. Putain, il vient se croire dans le cul d'un elfe, hein, ici, hein. Magie et la lumière est là. Oh, bordel! Ça va être dur de les esquiver, les Onyx, je crois. Par contre, pour louper le lancer, ça va être difficile aussi. Hein. Ah, ok. Ah bah, on a eu les Onyx, sans problème. Et ça fait du leveling en plus. Magnifique. Juste magnifique, qu'est-ce que vous voulez dire d'autre? Normalement, il y a un grave avalanche pas loin, si j'ai pas de bêtises. Une grosse boule là, on dit. Quand tu le regardes, on dirait tellement un Ferrero Rocher en fait, en vrai. Oh, mais non, bordel. Allez! Allez, 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 merci. Voilà, j'ai capturé deux seuls Pokémon qui m'intéressaient. Et mon Pikachu, il passe niveau 30, yes! Ouh, Fatal Foudre, ah, ça faut virer quelque chose. Oh, désolé, on va devoir virer Souplesse. Fatal Foudre, c'est... voilà. Allez, du coup j'ai des bonbons à donner. Oh putain, malé quoi! Putain, de nulle part il est sorti! Hein. Putain, ce bruit qu'il fait. Je dis pas, hein, ça file de la bonne XP hein, de les capturer, mais bon. De toute façon, ils vont finir en bonbons, hein. On va pas se mentir, hein, ils vont finir en bonbons. Hein. D'abord, on va booster à mort Pikachu. Oh yeah. Oh ouais, vas-y Pikachu. Oh yes.
Putain, Pikachu, c'est un go. Il va finir gros avec tous les bonbons qu'on lui file. Sérieux, quoi. Hey, bonbon armure. Putain, mais regardez-moi ça, comment il est boosté, quoi, le Pikachu, c'est un truc de fou. Allez, on va s'arrêter là pour ce nouvel épisode, les loulous. Bon, j'espère qu'on va pas se faire agresser. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de rock'n'roll, n'oubliez pas d'avoir la... attitude. Comme d'habitude, je te procure ou que sa chanson, ou que ça avec ce que ça dicton, on vous laisse, enfin je vous laisse, vous faites plein de tout partout et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye, bouti bouti, que l'amour du pays soit avec vous. Peace.